et bienvenue sur ma chaîne. Donc la vidéo aujourd'hui sera la partie 2 de Il était déjà en couple. Et merci infiniment pour tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment pour tous ceux qui ont supporté mon ancienne vidéo qui est Il était déjà en couple depuis 3 ans, la partie 1. Je vous remercie infiniment du fond de mon cœur. Je vous promets qu'il y aura un giveaway qui arrive très très bientôt, ok? Donc continuez, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Turn on your bell, votre cloche de notification pour que vous puissiez être abonné chaque fois que je poste une vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Snapchat. Ça serait ici et aussi dans la barre d'infos en bas. Et oui, let's get started. Donc, après, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, by the way, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo précédente, make sure you go watch it. Je vais mettre le card, insert the card up here, dans la carte que vous pouvez cliquer pour voir, parce que ça ne va pas vraiment, ça n'aura pas de sens si vous commencez à voir cette vidéo. Donc assurez-vous de voir d'abord la partie 1 et puis revenir sur cette vidéo pour la partie 2. Donc c'est ça, pour que ça ait un peu plus de sens, parce que je suis en train de raconter la suite de la partie 1. Ok, alright. Donc après que le monde a cassé, le gars m'a dit qu'il devait continuer sa relation avec la femme de ses rêves, qui était la fille là. Donc j'ai dit ok, sans problème. Puis of course, you know, bien sûr j'avais mal et console, mais je n'allais pas être, you know, la fille de un. D'abord le garçon me trompe une fois, je cours derrière lui, pourquoi, what? So, j'ai décidé de continuer ma route. Quelques semaines après, ça n'a même pas fait 2 mois, je reçois un appel. Le gars me dit, est-ce que je peux te parler? C'était déjà après qu'on avait déjà causé de ce qui s'est passé. Genre, je lui avais dit quand on allait venir vers lui et tout, tout, tout. Donc, comme vous avez connu sur la première vidéo là. Après ça, le gars me dit maintenant, il veut causer avec moi. Je lui dis encore, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, toi et moi, son numéro était même déjà delete sur mon téléphone. Donc, il m'a appelé, c'était un numéro. J'ai dit, allô? Tu vois, genre, bien sûr que je me rappelais un peu de comment son numéro était. Genre, son numéro. Mais j'ai un peu fait genre, allô, c'est qui? Tu vois un peu, genre, vous connaissez les meufs, on fait ça, c'est qui? Même comme on connaît un peu que, oh, ça c'est le numéro de mon ex. Même comme c'est facile, on connaît dans nos... On connaît ce que c'est, on connaît. Donc, mais tu fais toujours genre la meuf, tu dis... C'est qui? Après, il te dit son nom, tu dis... Oh, ok. C'était un peu comme ça, il m'a dit... Allô? Who is this? Il me dit, oh, c'est... Après, il dit... Oh, ok. Avant, il m'a dit, oh, est-ce que je peux te parler? Je dis, ouais. Il me dit, je me sens vraiment mal et tout, j'ai vraiment besoin de quelqu'un avec qui parler. Et d'abord que mon frère, tu veux avec qui parler, c'est moi là. La fille que tu as fait mal il y a quelques semaines là, c'est chez moi que tu veux venir demander conseil. J'ai dit ok, j'ai dit que je t'écoute. Mais si vous me connaissez en vrai, genre en vraie vie, je suis vraiment une personne de bon cœur. Donc je suis la qualité de personne, genre même si tu m'as fait mal, si demain tu as besoin de mon conseil ou bien d'un de mes services, je peux te les offrir sans problème. Donc c'est la même chose. Il m'a demandé est-ce qu'il peut me parler. Il a dit c'est sûr, mais qu'il ne se sent pas bien et tout, genre il est mentally, genre mentalement il n'est pas là et tout ça. Il dit qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit sa copine vient de le tromper. Je voulais rire, je voulais rire, mais je dis tu vois que tu veux rire, mais tu es en train de ok, qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit genre il est parti chez la co. Parce que la go, c'est son appart, non. Il est parti chez la go, la hand business, en surprise façon, genre, j'arrive chez ma go pour la surprendre. Il dit qu'il arrive, il appelle d'abord, parce qu'il était d'abord garé dehors. Il appelle, la fille ne prend pas. Il appelle, elle ne prend pas. Et puis, il dit qu'il est monté. Il est monté dans, tu vois, les appartements, nos appartements ici, c'est genre les immeubles, tu vois. Donc, il est monté, c'était juste au deuxième niveau, il est monté devant la porte de la fille, il arrive. La porte est ouverte. Comme par hasard. C'est vraiment que les gars étaient pressés de faire. Vous voyez un peu. Qu'ils ont oublié de fermer la porte. Et puis il entre. Il dit qu'il arrive dans la chambre. Il entend genre. Avant de cogner d'abord. Parce qu'il n'a vu personne au salon bien sûr. Et il voulait la surprendre. Il a dit que. Il me dit, ce qu'il me dit, c'est qu'il dit. He was like. Oh l'anglais, come on. He was. Souvent ça m'énerve quand je parle français, c'est l'anglais qui sort, vous pouvez pas comprendre, mais ça m'énerve. Pour ceux qui parlent anglais français, vous connaissez, ça m'énerve. Donc, il me dit que genre, il est arrivé, il marchait doucement, façon, il va surprendre la go. Comme il n'était pas au salon, il n'était pas à la cuisine, dans sa chambre, il va surprendre la go. Il dit qu'il est arrivé, il entend les bruits. Oh, ce n'est pas funny, mais le karma came for him like I thought. It came for him. Comme vous dites souvent, la karma, là, moi je crois. Je crois en Dieu, je crois en karma, je crois en beaucoup de choses. Donc, karma came for him.
Donc, il dit qu'il entend les bruits. Bien sûr, la go se faisait. Donc, il dit qu'il veut tourner, genre, la porte, quoi. Mais c'est bloqué. Et puis, il cogne. Genre, fortement, genre, énervé, quoi. Il cogne. Il dit que la fille, personne ne parle, la fille ne dit même pas c'est qui, quoi que ce soit. Mais le bruit s'arrête. Ha! Après, il dit que. Il cogne, il cogne, il cogne. Après, il dit que je veux casser cette porte si vous n'ouvrez pas. La go, alors. Elle vient, non, elle dit que elle fait comme si elle se réveille. Ce qui m'explique, elle dit qu'elle fait comme si elle se réveille. Elle me dit que, who is it? Genre, c'est qui? Et puis elle ouvre la porte, genre, de façon, elle était fatiguée, genre, elle dormait, comme ça. Après, le gars dit que, qui est là? Genre, il me dit qu'il est rentré, il a dit, qui est là? Et puis il me dit, à ma grande surprise, je vois un autre gars aux toilettes caché. Parce que, bien sûr, quand le gars dit qui est là, il fout, genre, il regarde aux alentours, genre, qui est là? Et tout un peu. Et la plupart de nos master bedrooms, genre, nos chambres dans les appartements, les master bedrooms dans la chambre du. I don't know how to say this in French. La chambre du genre. Du propriétaire, quoi. La chambre principale a toujours la douche. Donc, il fouille un peu partout. Il est entré dans le closet. Il n'a pas vu qu'il arrive aux toilettes. Boum, il trouve le gars. Il dit qu'il a poussé le gars parce que le gars, genre, il était genre. Il ouvre la porte comme ça. Il trouve le gars placé comme ça. Parce que, disons, la voici la porte, il la porte. Le gars était placé comme ça, avec la baignoire. Je l'ai poussé, le gars est tombé dans la baignoire. Le gars est tombé dans la baignoire, il est sorti. Après, la fille commence à pleurer. Non, non, excuse-moi, excuse-moi. Et puis, elle se m'a dit que, you know what? Et il a dit que, tu sais quoi, je ne devais jamais casser avec mon ex. Genre, il parlait de moi. Hein. Il dit que je ne devais jamais casser avec elle. Au moins, si elle ne me faisait pas ce genre de truc, je sais que je t'ai fait du mal. Si c'était pour me rendre l'appareil, il fallait juste me dire. Il me dit que c'était tellement fâché que. Il est seulement sorti, il a claqué la porte de la fille, il est parti. J'ai dit que tu étais fâchée. Il me dit oui. J'ai dit que tu étais fâchée. Il me dit, pourquoi? Il me dit, parce qu'elle m'a trompé. Il dit, qu'est-ce que toi tu lui as fait? C'est la question que je lui ai posée. Il dit, qu'est-ce que toi tu lui as fait? Il me dit, je lui ai trompé. J'ai dit, ok. Et pourquoi tu t'es fâchée à ce point-là? Tu l'as trompé, tu as repris. Donc je te conseille de reprendre cette fille parce que elle t'a juste fait la même chose que tu lui as fait. Donc. Tromper, tromper, c'est votre couple entre vous les trompeurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit, oh non, Ghislaine, je t'appelais juste pour te dire que je suis désolée et tout, c'était juste une erreur. Est-ce qu'on peut revenir ensemble? Comment? Comme les Espagnols disent, comment? Quoi? Comment? How? What? Where? Genre, j'étais tellement dépassée qu'il a même prononcé le mot là. Après, il me dit, oh, il faut savoir, dans la vie, on fait des erreurs. J'ai dit que si tu veux revivre aussi avec moi, je vais te faire la même chose. Je vais te tromper pour te rendre l'appareil. Donc, mieux, tu restes de ton côté, tu cherches une nouvelle copine, tu fais ta nouvelle vie, commence à me supplier. Alors, le romantisme commence. C'est même un mot, romantisme, je crois. En tout cas, sur la chaîne, si vous allez comprendre, on va créer les mots. Quand ça ne va pas là, je mets ce que je pense. Et puis, si c'est un mot, on a gagné, c'est un peu un mot, on a créé un mot. Dans le romantisme, on commence. Souvent, je reste comme ça à l'école parce qu'il connaissait mes heures. C'est lui qui me prenait souvent en classe d'habitude. Je vois comme il est garé dehors, il m'attend avec les fleurs. Ah, je dis que c'est même quoi ça? Mes copines, comme mes copines le connaissaient, je me dis que oh, il est là dehors et tout ça. Je dis que ok, c'est un problème. Genre, je ne le gérais même pas en fait. Tu vois le gars garé là, tu continues ta route. Je vais pas entrer dans le bus parce que l'école, le collège là-bas, on a le bus. Je vais pas rentrer dans mon bus jaune. Je sais pas, moi, chez moi, il conduit, ma tante, où le bus me dépose. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que en ce moment-là, je veux pas aussi de ceux qui me suivent jusqu'à chez moi, mes parents vont me tuer. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je veux te parler. Il dit, ok, je t'écoute. Il me donne d'abord les fleurs. Les mêmes fleurs, il dit, je dis que je ne veux pas, merci. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit que je sais, excuse-moi, donne-moi une deuxième chance, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Il dit que, tu sais quoi? Ma copine t'a dragué. Ma copine que nous avions ensemble là, quand on était toujours genre, je vous ai dit sur la première vidéo là qu'ils sortaient ensemble avant moi, mais elle m'a pas dit ça. Et puis quand lui et moi on était en couple, elle envoyait souvent les messages pour lui dire de me laisser. Quand on se dit que ma copine t'a dragué, elle veut toujours de toi. Je suis sûre que si tu repars avec elle, elle va t'accepter. Si tu excuses ton ex là, parce qu'ils avaient cassé, si tu l'excuses, elle va revenir vers toi. Ça fait que tu as deux options. Pardon, moi, laisse-moi hors de tes histoires là, je ne veux pas. Il me dit non, Justine, tu étais la meilleure. Oh non, excuse-moi. Tu sais, nous sommes humains, on fait des erreurs. L'erreur humaine. Je dis que pardon, l'erreur peut être humaine comme ça peut être humaine. Ça ne me regarde pas. Tu m'as fait ce que tu m'as fait. J'ai laissé tomber maintenant.
je n'ai plus rien à foutre avec toi. Et puis, I just left. Genre, je suis juste partie chez moi. Parce qu'il avait compris. J'ai dit, leave me alone, c'est tout. Et puis, je suis rentrée. Quelques jours après, je vois comme il débarque encore à l'école. Souvent, il venait, il envoyait mes copines venir me parler. Il envoyait ses amis venir me parler. Il dit que ce n'est pas les mêmes gars là qui t'entendent me dire notre belle soeur préférée, notre seule belle soeur, c'est vous, les mêmes gars qui revenaient. Et c'est là pour me dire, ouais, excuse-le, pardonne. Que pas, excuse-moi, que pas encore, c'est l'homme. L'homme, comme je disais tantôt, l'homme avec un H mauvais. Ces mêmes amis-là, après qu'on a cassé ensemble, sont venus me draguer. Comment vous entendez les choses là? Que vous dites que les États-Unis ici, la communauté africaine ici là, surtout dans le Maryland, si vous vivez dans le Maryland, vous connaissez DC, Maryland et Virginia là, les Africains là-bas se connaissent. Donc, ce qui se passe là, hein. Si tu vis aux États-Unis, je te conseille, ne te mets jamais ne t'associe même pas avec les Africains du Maryland. Si tu viens dans le Maryland là, ne t'associe pas parce qu'ils sont tellement sales. Vous pouvez vous imaginer ces amis qui m'appelaient leur belle soeur, qui l'appelaient leur frère, ont commencé à me draguer après qu'on a cassé. En tout cas, ils disaient non, moi je ne veux plus de lui et tout, laissez-moi. Et comme d'habitude, mon anniversaire vient mars, 6 mars. Ah, il m'appelle, qu'est-ce que tu veux? Je dis rien. Il me dit, tu es sûr? Je dis rien. Il connaît ce que j'aime. Il est parti m'acheter un beau sac à main et les parfums. Tu vois, vous rappelez avant, c'était Bath and Body Works, chauffait là. Je crois que c'est ce qu'on vendait, 3 à 25 $. Il est parti m'acheter la gamme, le shampoing de douche, le savon de douche, le parfum et l'huile. La gamme là, il venait, il l'a mis dans le sac qu'il m'a donné et tout ça. Il a dit que je ne veux pas. Je ne veux pas de tes cadeaux. Genre parce qu'il venait, il était déjà devenu comme quelqu'un qui m'a harcelé parce qu'il venait dans mon travail sans être invité. Il venait dans mon école sans être invité. Donc, je lui ai dit que si tu continues ce que je suis en train de faire là, je vais appeler la police sur toi. De un, d'abord, j'ai moins de 18 ans. De deux, tu as plus de 21 ans. Donc, si tu continues, je vais appeler la police. C'est ça qui lui a effrayé. Et c'est comme ça que le monsieur a décidé de me laisser tranquille. Donc, c'est ça. Si vous voulez suivre l'histoire de ma copine là, la copine là. Si vous voulez l'histoire de la copine là, qui nous a mis ensemble là. Comment elle draguait mon ex là. Elle aussi draguait mon gars au présent, genre mon fiancé là, elle lui a aussi dragué. Si vous voulez savoir ces histoires là, let me know in the comment section si vous voulez écouter ces histoires là. En commentaire, faites-le moi savoir. Et je vais m'assurer de filmer une vidéo. Je vous dis au bout de combien de likes je vais filmer ces vidéos. Et je vais faire ces vidéos en deux story time. Ça serait une, ma copine veut mon ex. Et deux, ma copine veut mon fiancé. Donc voilà. Thank you so much. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Et merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Aime cette vidéo. Et aussi, n'oublie pas de partager cette vidéo. Et assure-toi que ta cloche de notification est allumée pour que tu puisses être au courant chaque fois que je poste des vidéos. Le français là revient, vous sentez, non, ça revient. Ok, thank you guys. Merci beaucoup. Moi, bye.